Bonjour les amis, je vous retrouve pour un mini haul action. Encore une fois, je suis désolée, j'aurais pas les prix. Pardon. Il me semble que j'en ai eu pour... Attendez. Je crois que j'en ai eu pour 8 € pour tout ce que je vais vous montrer, environ 8 €. Donc je vais commencer par la promo de la semaine et je crois qu'il était à 1,20 €. C'est un savon Mixa comme ça. Douche soin apaisant, son savon, base lavande, pH neutre plus amande douce. Hypoallergénique, 400 ml corps et cheveux. Testé sous contrôle dermatologique. Il sent super bon, il sent le truc pour les bébés en fait. Oh, si vous pouviez sentir. Ah! Mais au moins vous l'avez vu. Oh merde. Je pensais pas que ça serait aussi liquide. Ça tombe bien, j'ai acheté des trucs qui vont pouvoir m'enlever ça normalement. Oh merde. Et voilà. Très liquide. Et voilà. 400 ml, c'est plutôt pas mal. Sachant que bah moi je lésigne pas trop sur le gel douche, j'adore en avoir. Avec ma bouteille en train de se finir, voilà. En fait, j'avais vu les deux palettes Fab Factory qui ressemblent au... Pour moi, enfin, c'est pas les mêmes couleurs, mais pour moi, c'est le même packaging que les Huda Beauty ou Urban Decay. Pour moi, c'est le même packaging, en fait. Les couleurs se ressemblent pas, mais pour moi, c'est le même packaging. Mais je me suis dit, non, Marie, t'as trop de palettes. J'ai peut-être regretté, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai racheté un allume comme ça, un allume gaz. Je crois moins d'un euro, il peut coûter. C'est simplement pour mes bougies, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'y mettre des 100 et des 1000, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la marque Spargo. Si tu peux acheter la marque. Voilà. C'est des lingettes humides pour verre. Verre, vide, tout ça. Donc, c'est ce que je vais essayer après sur la table en verre. Il y en a 25 et je crois que c'est à 98 centimes. Et encore des lingettes, donc pas beau, mais là c'est les lingettes humides pour la maison. Et j'utilise pas mal de lingettes, en ce moment j'utilise celle-là de Super U. Ils sont presque finis. Là j'avoue que le plan de travail et tout, bah souvent je passe un coup de Saint-Marc, mais là j'aime bien voilà, quotidiennement passer un coup de lingette. Avec 98 centimes, voilà. Et le dernier truc que je suis contente et que c'est vraiment c'est rigolo. C'est ça, je vais vous expliquer, je vais aller. C'est un shaker à crêpes. Or, il y aurait comme un fouet dedans. Et en plus, il y a la recette derrière. En fait, moi, je ne l'ai pas acheté seulement pour faire des crêpes. Je me suis dit, ça fera un shaker parce que vous pourrez enlever le fouet dedans. Donc, quand vous avez de la vinaigrette ou un truc comme ça à faire dedans, bah, c'est nickel. Mais en fait, il y a déjà un petit fouet. Et vous mettez vos ingrédients, vous remuez, ça fait vos crêpes. Bah, bien sûr, il faut les faire cuire, hein. Logique, mais il y a la recette. Alors, il est assez bien, il est assez cool. Elle est comme ça, il est cute en plus parce qu'il y a marqué B crêpes dessus, cette maison. Voilà. Vous avez la recette derrière si vous voulez mettre pause. Si jamais, voilà. Il fait 500 ml. Voilà, ce qui est pas mal hein, du coup pour un shaker. Donc, là en fait, ce qu'ils vont mettre dedans, c'est ça, et vous remuez, et c'est censé. C'est tout. Donc, bah, si vous voulez vous en servir de simple shaker, vous enlevez le feuille, et puis voilà. Je crois que c'est à 1 € des bananes, mais moins de 2 €. Donc voilà, bah, c'était un petit haul. Après, j'ai fait des courses à Carrefour, mais rien de très intéressant. Donc voilà, donc c'était vraiment un petit haul action. Donc les lingettes pour la table, bah, je vais les tester maintenant. En fait, je pense jamais à vous faire des, des produits terminés. Mais dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous mes loulous.